Salut tout le monde, c'est Leif. Vous me l'avez demandé, vous m'avez demandé de la cinématique que j'ai passée, effectivement, parce que c'est vrai, j'ai plutôt une habitude de les passer dans les let's play, mais en tout cas, je peux comprendre que certains d'entre vous soient frustrés. Et donc, ce que je vous propose, en fait, c'est que je vais relancer une partie Guerrier du Chaos, et comme ça, on pourra voir ensemble cette cinématique qui manque, vous pourrez la voir, et puis continuer comme ça le let's play sur la suite. Et je ne vais pas la commenter, comme ça vous m'entendrez pas, je la lance et puis on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos et la suite du let's play. Le vieux monde est faible, les nations des mortels pataugent dans leur constante guerre mesquine. Elles ignorent ce qui les attend vraiment au nord. Je viens de voir Kaon le Puissant en tant que simple serviteur. Pour le moment du moins, le champion favori des dieux a choisi d'écouter mon conseil. Je prie les puissances des ténèbres de ne pas échouer. En dépit d'un tel risque, j'insiste auprès de mon maître, car il est maintenant temps de marcher vers le sud. Les hommes du nord s'agitent. Nous devons maîtriser cela et envoyer les tribus vers le sud, telle une grande marée venue inonder le vieux monde. Archaon lui-même, élu des dieux, mènera les hordes du chaos pendant que nous dépouillerons les terres des hommes et des nains. Aucune âme, qu'importe sa noirceur ou sa pureté, ne pourra connaître le salut. Et voilà, c'était la fin de cette fameuse scène d'introduction que maintenant vous avez pu voir. Merci en tout cas pour tous vos commentaires, je le redis encore, et j'espère que vous prendrez plaisir à voir toutes nos vidéos, voilà, que ce soit sur Total War Warhammer ou sur d'autres titres. Allez, à plus tout le monde, ciao!